les représentants des partis politiques, les représentants des organisations, les organisations de base, les citoyens engagés, je vous salue. Laissez-moi vous faire un résumé. Mémorandum, feuille de route sur la transition nouvelle en Haïti. 7 février 2021, 7 février 2023, 2 ans. Historique, ce gouvernement de transition intitulé la transition nouvelle est une démarche entamée pour la première fois depuis la rupture du projet de société basé sur la justice sociale prôné par l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806 par une multitude d'organisations de la société civile haïtienne et d'une dizaine de partis politiques environ. Pour y parvenir, ces derniers se rassemblent autour d'une entité baptisée Chemin Délivrance Haïti CDA et fondent sa conviction sur la nécessité de rassembler tous les fils de ce pays à travers un deuxième congrès national. Car c'est l'ultime et l'unique possibilité de retrouver l'Haïti que rêvaient nos aïeux. Cette transition nouvelle sera l'œuvre de toutes celles et ceux qui souhaitent que la paix soit retrouvée pour le bien-être du pays. Ainsi, Chemin Délivrance Haïti souhaite, CDA, souhaite qu'au terme du mandat du président de la République, le 7 février 2021, les institutions républicaines assureront la continuité et la pérennité de l'État d'Haïti. Merci. Encore une fois, nous saluons la presse qui décide d'accompagner Chemin Délivrance dans quatre batailles d'Arménien pour l'autre Haïti, dans quatre batailles d'Arménien pour le monde capable de vivre en toute quiétude, en toute dignité dans le pays. D'abord, Chemin Délivrance Haïti, c'est un regroupement politique, son pôle politique qui font des convictions, je nous dis là, sur le deuxième congrès historique. D'abord, je dis à nous déjà dit, après le document politique qui est sorti pour nous analyser la crise là, eh bien, nous avons annoncé à le peuple haïtien, sous peu, eh bien, nous avons sorti une feuille de route transition. Puisque, après toute bataille qui menait, après toute manifestation, toute city, pays l'autre, pour nous être capables de déchouquer le régime PHTK, le régime sans maman, qui chita sur impunité, kidnapping à corruption, eh bien, bataille ça n'a pas privé. Déchouquer Jovenel Moïse, je ne vous connais là, avec support comme vous, ambassade américaine et l'autre secteur privé qui va vous pays. Je dis, avec constitution en main, loi électorale en main, et le peuple haïtien vivait devant le peuple, le fait accompli. Et c'est là que tu attends, Yoa. Donc je dis à Chemin Délivrance Haïti. Fini devant quatre histoires, ça, puisque je toujours dit l'opposition n'a pas d'alternative. Je toujours dit la jeunesse n'a pas d'alternative. Eh bien, 7 février qui a fini là, la jeunesse, groupe organisé, secteur paysan, l'église, secteur privé des affaires progressistes, et bien, fois ça, ils ont décidé de proposer à peuple haïtien une alternative. Et maintenant, c'est ce que je vais là. Après plusieurs enquêtes, plusieurs démarches, nous menons à travers tout le pays et même la diaspora, puisque nous avons dit dans la conférence de presse, 7 février, c'est l'institution qui a pris responsabilité. Donc, la Cour de cassation, qui est l'institution républicaine, devant situation ça, nous avons dit devant la Cour de cassation de Galais. Et nous bien contents, ensemble de pôles politiques, ensemble de regroupements politiques qui sont dans l'opposition plurielle là, qui est d'accord avec nous, faut qu'on aille dans la Cour de cassation. Je dis là, Chemin Délivrance Haïti à travers toute partie politique,
et organisations de base et sociale qui regroupent. Nous disons, 7 février qui va venir, environ 34 jours qui étaient là, eh bien nous vivons pour responsabilité. Selon l'enquête que nous venons mener et nous vivons ouais, à travers les représentants qui sont dans la Cour de cassation, eh bien, M. Wendell Fogg-Tello, c'est personnalité qui affiche plus crédibilité, plus impartialité en dans la Cour de cassation, hein, qui fait job avec respect. Eh bien, je dis à nous, même en tant que de délivrance éthique, nous venons du peuple haïtien, nous venons de l'opposition plurielle, je parle nous mal droit, eh bien, en encourager tout soi qui visait M. Wendell Fogg-Tello, la Cour de cassation. Le 7 février prochain, nous croyons que pas de monde par moi. Nous croyons que pas de critique, pas de laisser frapper sous soi, éventuellement mettre Wendell Fogg-Tello dans la Cour de cassation. Mais tout, nous même en deux semaines de l'Université d'Haïti, nous croyons que dans la transition, ça, que nous avons une nouvelle transition, parce que pas de gens qui ont transition dans la Cour de là. Dans le peuple qui ont là, et bien, gouvernement de transition, ça va bien de responsabilité. C'est ça que fait. Nous dit attribution ça parmi nous. Gouvernement de transition, il est pour assurer que lui restaurer l'autorité de l'État dans le plus bref délai. Dans 100 premiers jours, gouvernement de transition, ça a gagné pour assurer, même dit, contrôler la question de la vie chère et porter un assouplissement pour les haïtiens qui n'ont pas goût. Qui n'a l'insécurité, qui n'a la vie. La continuité pour dire, le gouvernement de transition, immédiatement installé, il faut que vous libérez tous les prisonniers politiques et il faut que vous dédommagez parce que le gouvernement PGP HTK a fait un bout de parce que nous avons décidé d'arrêter le gouvernement. Et pour continuer, n'a dit, faut tout contractuel qui a travaillé dans l'État, l'État va jamais payer pour une raison ou l'autre. Il faut que vous payez et faut que vous décidez de payer ensemble directeur de l'école qui était dans le programme support depuis 3 à 4 années, l'État va jamais payer. Donc il faut que le gouvernement décide de responsabilité ça à l'autre juste avant d'aller organiser l'élection. Parce que je dis à situation sociopolitique qui est là, c'est mauvaise élection qui baille. Lorsque nous connaissons l'élection qui est collée, toujours bail, mouvement politique. Donc c'est raison ça. Nous-mêmes, nous disons à la manière de 1989, c'est que même situation qui est présente dans le pays, et bien c'est Madame Eta Pascal Trouillot dans la Cour de cassation qui est arrivée organiser la première élection démocratique que jusqu'à aujourd'hui, quel monde n'a pas contesté. Pour nous camper sous question, ensemble de mouvements populaires, ensemble de déstabilisation, ça y est. Il faut que nous décidions pour nous organiser une bonne élection et bonne élection ça. Il faut que nous embarquions avec des personnalités honnêtes, crédibles et impartiales dans l'État pour nous aller vers l'autre pays. Merci. Merci pour la question. Pablier nous a dit, après pays l'autre, l'opposition n'a pas de alternative. Et c'est une honte pour l'opposition. Je dis à Chemene Libre Vindi, lui appuyer tout soi qui visait M. Wendell Fogg-Tello pour ça le représenter, pour passager dans la Cour de cassation. Parce que toute l'opposition dit, c'est dans la Cour de cassation qu'il y a gagné. Et mais si il y a un groupe dans l'opposition plurielle qui mène des enquêtes, qui propose à la société une figure pour passer dans la Cour de cassation, et même pas c'est des bagages que vous mettez là. Donc, nous étions quoi que, frères nous, camarades de l'opposition, pas de problème de ça, puisque tout le monde d'accord fonctionne dans la Cour de cassation. Non? Merci. Oui, mais en fait, il faut que j'aime la tête, mais il faut que j'aime la tête, par exemple, il dit la danse du canabal, on va vite là.
Et nous connaissons ce 14, 15, 16 carnaval. Ça veut dire que c'est pas 7 février qui vient passé. Mais comment on a fait est-ce que la fonche dans la tête? Parce que vous nous dites que jouer à la 7 février, est-ce que c'est pour ça que vous allez voir 7 février va être honneur, vous discutez de la vie, mouvement populaire? Comment vous allez 7 février à mes côtés? 7 février prochain, dit déjà. Ce n'est pas pour les assurer pour les président de vous aller. C'est pour bête, c'est pour chien. D'abord, mandat fini. C'est constitution qui a parlé. C'est loi électorale qui a parlé. Qui dit pour harmoniser le temps électoral, un mandat président l'a perdu un an là-dedans. Mandat sénateur il a perdu deux ans là-dedans. Donc, s'il ne prend une décision ça pour le sénateur et président Jovenel Moïse, qui s'allie même. Qui s'allie même. Donc, nous avons fait une bataille à finir. 7 février, c'est pour harmoniser le temps électoral, il te fait le sénateur. Même j'en ai le sénateur, c'est même l'élection obtenue dans le palais national, mais c'est même décision qui a pas pris le président.